2000 en fait. Allez, attention. C'est le dernier jour là. Vraiment, c'est magnifique. Donc on les soutient jusqu'au bout. La coupe est chez nous, Inch'Allah. Moi pour ma part, les éléphants gagnent 2-0. Et puis vraiment de courage, et puis beaucoup d'abnégation pour les éléphants. Je sais qu'ils sont capables. Pour la CAN 2023, selon moi, les Ivoiriens, en tout cas vraiment, ils étaient dans la défaite, ils étaient découragés. Mais cette fois-ci, comme on le dit, un revenant n'a pas peur. On soutient toujours nos éléphants et on va de l'avant. Bien sûr, en prenant la CAN cette année, la coupe, c'est chez nous. Bon, comme c'est contre le Congo, là, 2-0. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est félicitations d'avance, parce qu'on sait qu'on va gagner. Au jeu, on va gagner 2-1. Je sais que les éléphants vont gagner, donc il y a la foi. 2-0. Sans bruit. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas trop Yaya. Voilà. C'est quoi Côte d'Ivoire qui joue quand il y a Congolais dans mon vieux. Il y a aujourd'hui à ce moment-là. 2-0. Donc 5-0 est trop. 2-0. Et puis aujourd'hui là. Et les éléphants. Alors ça va ou moi. La coupe est bien partie. On n'a pas peur. La coupe est avec nous. Je demande aux Ivoiriens d'être toujours confiants, de tout supporter. Rien n'est gâté, tout va s'arranger. Encore un peu plus les partenaires de Gaël Kakuta. Kakuta toujours qui essaie de tirer maintenant. Le ballon a été. Pour la première mi-temps, vraiment, je ne suis pas trop satisfait. Voilà, c'est-à-dire que le milieu flotte un peu. Et puis la défense aussi est relâchée. Donc, Faye doit mettre encore le paquet en donnant assez de conseils dans les vestiaires aux joueurs. Pour que la deuxième mi-temps, soit vraiment efficace. Par la défense ivoirienne, alors que Moutou Samy peut récupérer un deuxième ballon. Théo Bongonda, la conduite de Théo Bongonda qui peut rendre maintenant Bongonda qui va tirer dans le petit filet. Les éléphants continuent de développer du jeu avec Gradel qui donne pour Kessier. Franck Kessier, attention, il va pouvoir frapper. Franck Kessier s'est repoussé. En tout cas, je pense que ce match-là, on peut gagner. Ce match, parce que vu vraiment le talent des Ivoiriens là, je sais que cette finale là, elle est à nous.
qui part extérieur avec le dribble. Il a réussi sur Masuaku, le sang derrière pour une reprise de Sébastien Allaire. Elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire sur une reprise.